Shalom, peuple de Dieu. Donc, je fais cet audio pour parler d'un sujet. Le thème, c'est prier avec des bougies et de l'idolâtrie. Donc, voilà. Pendant que je priais, le Seigneur m'a demandé de passer ce message à ses enfants, de leur dire que prier avec des bougies, c'était de l'idolâtrie. Prier avec des bougies allumées, c'était de l'idolâtrie. Et si je dis bougies allumées, parce que c'est... voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 5 mois que j'ai commencé le dépouillement extérieur. Et voilà, il s'est passé des choses. J'ai commencé à enlever les vêtements, tout ce qui est maquillage, tous les apparats, les ornements de Jézabel. Et je dis encore dans mon cœur, Seigneur, montre-moi des choses que je dois encore enlever. Et pendant que je priais, il m'a parlé, il m'a dit, va enlever les bougies que tu as exposées dans ton salon. Donc voilà, j'ai une vitrine dans mon salon où j'avais mis des chandeliers et des bougies. Et avant ça, à l'extérieur, dans un magasin, j'avais vu 2 jolis chandeliers et en solde, vraiment, ils étaient beaux et pas chers. Mais j'ai ramené à la caisse. Il y a quelque chose, j'ai ressenti qu'il ne fallait pas que je les achète. Donc la dame, elle m'a donné le montant. J'étais même surprise, c'était encore plus bas que je l'imaginais. Et j'ai dit non, je ne les prends pas finalement. Je suis ressortie, elle m'a regardée comme ça. Et du coup, quand je suis rentrée, le Seigneur m'a parlé des bougies que j'avais exposé dans ma vitrine au salon. Enlève-les. Je me suis dit, non, peut-être que j'ai pas bien compris. C'était bien ça, oui, des bougies. Enlève des bougies que tu as mis dans ton salon. Donc, je commençais par là à comprendre que c'était pas bon. C'était de l'idolâtrie. Je me suis dit, waouh, donc je les ai enlevées. J'ai jeté. Mais jusque-là, j'avais du mal, en fait, à passer. Alors, j'ai fait quelques recherches. Je sais que, bon, dans le catholicisme, ils utilisent des bougies. C'est vrai que les églises de réveil, évangéliques et tout le reste, non, en général, très peu le font. Bon, ceux qui le font, c'est vraiment histoire de se dire, oui, ambiance, pour donner une ambiance spirituelle, un truc comme ça, hein, je sais pas, ou pour faire joli. Des fois, les gens utilisent des bougies pour parfumer ou alors pour faire joli, tout simplement. Mais en fait, parce que moi, même quand je mettais des bougies dans mon salon, c'était vraiment pour faire joli, hein, pour faire une bonne ambiance et tout. Mais le fait de les enlever au salon, c'est vrai qu'on prie au salon. Donc, pourtant, elles ne sont pas allumées. Quand on prie, elles ne sont pas allumées. Mais il fallait que je les enlève. Donc, le Seigneur l'a dit, je le fais. Donc, quand j'ai reçu en prière que tous ceux qui priaient avec des bougies allumées, c'était de l'idolâtrie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui prient avec des bougies allumées, sachez-le. Bon, après ça, je me suis dit, bon, je ne vais pas donner ça comme ça. Il faut que je cherche des passages. Il faut que j'ai plus d'explications. Il faut que... Puis le Seigneur, je dis, mais c'est tout. Je dis ça comme ça. Il dit, oui, tu dis ça comme ça. Après, je me suis dit, bon... Je ne suis pas, voilà, je suis juste là pour passer le message. Je n'ai pas rajouté ou à retrancher. C'est vrai que le Seigneur, moi-même, ça m'édifie parce que la preuve m'a demandé d'enlever ce que j'avais au salon. Donc, quelque part, ça m'appelle moi aussi à aller chercher, à comprendre certaines choses. Et puis, je ne vais pas parler des choses que je ne connais pas ou que je ne comprends pas. Je vais juste parler de ce que j'ai reçu et que je sais que ça vient du Seigneur. Et en fait, avant ça, j'avais reçu autre chose dont je devais parler. Et je prenais du temps, je disais, oui, je vais le faire demain. Et entre-temps, mes préoccupations familiales et tout m'empêchaient de le faire. Donc, ça traînait. Et là, j'ai reçu ça suite à un moment où je me repentais. Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai dit, ça fait des mois que je dis, oui, je vais le faire tout ce que tu me demandes de dire et je ne le fais pas. Pardonne-moi. Je me disais, OK. Bon, ben maintenant, vas-y, lève-toi et passe ce message. Donc, comme je vous ai dit, j'ai demandé, c'est tout.
Oui, c'est tout. Donc, je le passe comme je l'ai reçu. Voilà. Donc, tous ceux qui prient avec des bougies allumées, c'est de l'idolâtrie pour le Seigneur. Les bougies, c'est pas une bonne chose. Les bougies que j'avais dans mon salon, il m'a demandé de les enlever. Pourtant, elles sont pas allumées. On a allumé une seule fois. Ça fait tellement longtemps. Des fois, j'allumais peut-être pour des repas, pour faire une belle table. Mais la plupart du temps, elles sont exposées au salon. Je les ai pris de forme dorée, jolie, que ça fasse classe. Et donc voilà, c'était dans mon salon. Et elles n'étaient pas allumées, mais il m'a demandé de les enlever. Donc, ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc, toi qui entends ce message, toi qui pries avec des bougies allumées, sache que c'est de l'idolâtrie et que les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et voilà, je l'ai fait. Soyez bénis.